Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a été contacté par une dame qui a un grand-père qui est âgé et qui a atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie où les personnes perdent de la mémoire. On n'arrive pas à la soigner alors aujourd'hui, c'est une maladie incurable. Et il y a une personne qui s'amuse à escroquer cette personne âgée. D'après ce que nous dit la petite fille, le mec vient, sonne chez la personne âgée qui a Alzheimer, lui demande de l'argent et la personne âgée, elle sait pas, donc elle fait des chèques à chaque fois. Sauf que la petite fille, elle s'en est rendue compte parce que comme elle a procuration sur le compte de son grand-père, elle a vu qu'il y avait des sommes qui partaient, des 500 euros, des 1000 euros. Et elle se demandait à qui son grand-père faisait des chèques. Et quand elle pose la question à son grand-père, comme il a Alzheimer et qu'il se rappelle pas, il est incapable de lui répondre. Donc elle a relevé le nom et le prénom de la personne et elle nous a appelé pour qu'on puisse le piéger. On va rester en caméra cachée et on va attendre que la personne qui l'arnaque arrive, sachant que c'est une personne qui vient assez régulièrement chez lui parce qu'il lui soutire de l'argent sans arrêt. Donc voilà, on va se rendre là-bas, on va se mettre en caméra cachée, on va attendre et puis si on voit quelqu'un de suspect, on se mettra à filmer. Bon visionnage à tous. Un coup il fait croire. C'est le mec qui vend des calendriers. Et là il se change, je fais quoi? Le mécano. Elle est dans la force de réparer la voiture. Et le chèque il n'est pas passé. Non, je me rappelle. Non, le mécanicien. Si, vous avez la voiture là. C'est là. Si, vous avez une voiture. La C4, casse-t-il. Ah oui, j'ai trouvé la voiture. La C4, non. Ah, c'est pas grave, il ne fait pas. 500 euros.
500. En gros, si j'ai bien compris, le mec, ce qu'il fait, c'est que il prend même pas, il a un sac avec des affaires dedans, il prend même pas le temps de se cacher, quoi, il s'en bat les couilles. Hein. Il fait croire à chaque fois qu'il y a un coup, c'est le mec, un coup, c'est ici, un coup, c'est là, et il fait faire des chèques au vieux. Parce que le vieux se rappelle pas qu'il a vu il y a 5 minutes, quoi. On va le suivre de loin, on va voir où il va, on va le choper plus loin. On va demander des explications. Bon, les gars, ça fait un petit moment qu'on le suit. Et je pense qu'il doit habiter dans les résidences en face. Je vais aller le choper. Et Alex, toi, tu restes caché, pas envie que ça dégénère, tu vois, s'il voit la caméra. Donc tu restes derrière la voiture et j'y vais. Bonjour. Bonjour, ça va? Vous allez bien? J'ai besoin de faire des travaux à la maison. Je crois que vous êtes habillé en... Vous faites quoi? Peintre, façade? C'est juste pour nettoyer, la rigoler, la prendre ça chez moi parce que je suis encore bourré. Ah, vous êtes pas... Non, rien du tout. Donc, vous êtes pas peintre du tout? Non, pas du tout. Donc tu te laisses pas. Merde! Bonne journée, fais attention à toi et ciao ciao. Merci. Attendez, je voulais vous demander autre chose. Vous habitez ici? Non, je suis... Dans les bâtiments là-bas plus loin? Ouais. Et je voulais acheter un bien moi ici. Pourquoi tu fais le bruit? Parce que j'en ai marre, je suis fatigué, je suis encore bourré. Ça va, tu es bourré. Attends. Deux secondes s'il te plaît. Deux secondes. Moi je voulais acheter un appartement là. Tu habites là-bas, dans les appartes là? Je voulais acheter un appartement là-bas, tu vois. Mais le truc, c'est que je connais pas trop un peu comment ils sont les appartements. Est-ce qu'ils sont grands? Est-ce qu'ils sont chers? Mmh. Est-ce que c'est bien fréquenté? C'est comment ici? En vrai, c'est bien fréquenté. Il n'y a pas d'arnaqueurs, des voleurs, comme ça. Y a pas des gens, tu as vu, qui sont passés pour des peintres ou des façadiers, qui sont chez les gens? Non, il n'y a pas de truc comme ça, je sais pas. Tu es sûr de toi? Certain. Parce que tu as vu, moi je connais des gens, tu sais ce qu'ils font? Quoi? Ils mettent des habits de façadier, un peu comme toi. Mais toi, tu viens d'une soirée? Ouais, c'est pas pareil. Il y a des gens, ils s'habillent en plombier, ils s'habillent en maçon et tout. Attends, ils vont chez les gens, tu sais, mais les gens, ils habitent dans ces bâtiments là-bas. Ah ouais, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup là. Dans ce bâtiment là-bas, c'est pour ça, t'es sûr, c'est bien fréquenté? Ah ouais. Certain? Certain. Les prix des appartements, comment ils coûtent? Ils coûtent pas à peu près 5000 balles? 5000 balles, c'est le prix d'une façade? Non. Non, ça dirait? Non. Ils coûtent pas 50 euros comme un calendrier? Mais faut mettre une souris, j'ai pas besoin d'eux. Ben, je peux voir ton sac? Tiens, oui. Non. Est-ce que tu vois des chèques? Bah oui, il y a des chèques. Bah oui, il y a des chèques. Ah, qu'est-ce que des chèques de mes copains? Tes copains, c'était mon anniversaire. Ah, d'accord. Ça dérange pas. Qu'on appelle les flics? Ah non, tu peux les appeler. Ok. Je vais les appeler. C'est 18. Non, c'est 17, hein. Ah ouais? C'est pas mal.
Pourquoi? Je vais t'expliquer un truc. Moi, je suis pas là pour faire de problème. Je suis quelqu'un de simple, de gentil, tu vois. Là, j'ai en train de prendre pour un con. T'es en train de prendre pour un con. C'est ça? Ah, t'es en train de me dire, tu veux quoi? Tu veux que je t'arrache la gueule? Laisse tes mains. Tu veux quoi? Juste après la coupe. Tu veux quoi? Je comprends pas. Tu feras mon échec? Pourquoi non? Ça va les couilles, tu arnaques un vieux. Qu'est-ce quoi? Allez, s'il te plaît, viens. Oh, regarde, je vais t'expliquer un truc, regarde, j'ai filmé. Et puis tout à l'heure, on t'a filmé. T'as vu là? T'as vu ça? T'as vu, ça, c'est une caméra, c'est mon caméraman. Là, c'est une Parce que je vais te la tête sinon. Ah ouais, comment je vais te niquer la tête? Tu comprends que là, tu comprends la tête que la tenue. Ouais, d'accord. Et comme ça, ça commence à faire petit à petit. Escroquerie sur personne vulnérable, vol sur personne vulnérable et handicapé parce que la personne a Alzheimer, mais je crois que tu l'as compris. Parce qu'à chaque fois que tu te mets devant chez elle et que tu te changes, c'est parce que tu sais très bien que la personne va oublier qui tu es. Oui. Voilà, on est d'accord. Oui. Donc tu vas me rendre l'échec déjà pour commencer. Ah, s'il te plaît. Sinon, je vais appeler les flics et on va mettre ton visage de partout. Oui. Tiens, vous voyez, c'est des vrais chèques, hein, les gars. Tiens, garde-les. Donc, déjà, ça c'est bien. Ça, c'est quoi que tu as là-dedans? C'est tes amis. C'est des avis de quoi? Plombier? Tu as plombier? Tu fais ça à qui là? À qui tu fais ça? Tu fais ça à plusieurs personnes? Tout le monde a un argent, il a un monde d'argent. Et c'est le grand-père à ton collègue. C'est le grand-père à ton collègue? Ouais. Et tu fais ça au grand-père à ton collègue? Parce que tu sais qu'il a Alzheimer? Ouais. J'aimerais pas être ton collègue, du coup. Tu feras la vérité. Hein. Ok. Tiens, récupère tes affaires. Nous, on a récupéré les chèques. Et si tu veux pas qu'on appelle la police, tu vas venir avec nous. Hein? Pourquoi? Parce que c'est trop facile, tu as eu d'arnaquer un vieux. Ça fait combien de fois déjà que ça fait combien de temps que tu vas chez lui? 3-4ème fois. Donc tu lui as pris combien déjà? Hein? Bon? Ben tu vas rembourser. Comment? T'as pas de sous? T'as pas de sous? Eh ben tu vas rembourser d'une façon ou d'une autre, t'inquiète pas. Est-ce que tu as un truc, hein? Est-ce que je vois ma faveur ou pas, je sais pas. Mais genre, tu as vu. Il me considère comme son petit, tu as vu. Non, il ne considère pas comme son petit, il sait même pas qui tu es. Quand tu arrives, oui, je suis ton petit fils, tu lui fais croire, tu es son petit fils, après tu lui fais croire que. Le mec, il va la carrer, non? Il sait pas qui tu es, il a. Mais c'est là. Alzheimer, il se rappelle pas de qui tu es, parce qu'il est con ou quoi? T'es con ou quoi? Les gens, ils oublient leur famille. Ils oublient même leurs enfants. Tu crois qu'il va se rappeler de toi? Je suis sûr, il te connaît même pas. Tant que tu es en train de me raconter des conneries. Tu viens avec nous, sinon soit j'appelle les flics et je mets la vidéo sur internet, donc tu viens ou pas? Voilà, et tu vas rembourser le mec. Oui, tu vas le rembourser, je te le dis. Bah t'inquiète. Tu vas le rembourser d'une façon ou d'une autre. Les gars, on le fait venir avec nous. Et on va lui trouver un petit truc à faire, vous inquiétez pas. Bon les gars, voilà, on arrive déjà à la sentence, à ce que vous préférez le plus. Le truc, c'est que on a essayé d'aller retirer sur ses comptes. Il n'a pas d'argent, c'est vrai, il n'avait pas d'argent. Donc comme vous savez, on fait une sentence façon Kamov. Mais la sentence, comme on a besoin de manger, parce que moi, après, pas avoir de sous, pas avoir d'argent, moi, pas pouvoir continuer une vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans 3, 2, 1, une petite page de pub avant de vous montrer la sentence. À de suite. Vous êtes prêts les gars? Un truc qu'on n'a jamais fait, comme vous voyez derrière moi, il y a des mottes de fouin. 3, 2, 1, tadam! Et voilà! Alors, ça va? Comment tu te sens là? Tu n'as pas trop chaud? Si? On va te laisser comme ça. On va te laisser comme ça. Hein? Et tu sais ce qu'on va faire? Vu que tu ne peux pas rembourser parce que tu n'as pas d'argent, rigole parce que tu ne vas pas rigoler longtemps. Tu rigoles? Tu sais ce qu'on va faire? On va appeler les flics et on va te laisser ici. Mais oui, on va appeler la police. La police va venir te chercher ici. Les moucherons vont te tenir compagnie. De rien. Mais vu que tu fais un peu trop le mariole, viens m'aider Alex. Non, on va faire faire un tour de marteau. Non, vas-y. Écoute. Frérot, je t'explique un truc. Il y a tout à l'heure, tu faisais un peu le mât. Tu faisais un peu le mât, tu rigolais. Attends, arrête, rigole pas, arrête. Mais arrête. Tu as voulu arnaquer des vieux qui n'avaient plus toute sa tête. Ouais. D'accord. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est mettre la tête. Non, pas faire. Vas-y, en bas. Non.
Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle s'est finie un peu brusquement celle-là parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas prévu. On ne devait pas tourner autant. Je pense que vous l'avez compris. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après bon, on est resté avec lui. La police est venue, l'a embarqué, est parti avec. On a donné toutes les preuves, l'échec, la vidéo, on a tout montré. C'est pour ça qu'il n'y a plus trop de soleil parce qu'il s'est passé du temps entre temps. Je voulais juste faire passer un message. Surtout, ne laissez pas vos proches quand vous voyez qu'ils commencent à perdre la boule, tout ça, qu'ils commencent à un peu à plus savoir ce qu'ils font, machin. Il y en a qui perdent beaucoup de choses. N'hésitez pas à faire des examens et à pas traiter la maladie, mais à essayer de faire en sorte que ces personnes-là ne reste pas seul. Ne profitez jamais de la faiblesse de quelqu'un, et surtout d'une personne âgée qui atteint cette maladie. C'est vraiment une maladie pour laquelle il faut se battre et il faut trouver un putain de remède. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est une maladie qui ne se soigne pas et c'est ce qui tue les personnes. Et les proches en souffrent énormément. Donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle expérience sociale. Caméra cachée, prank. On se retrouve mercredi prochain à 18h. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Kamoff. Ciao, ciao.